Bonjour à tous, n'ayez pas peur. Oui, je fais peur, je fais peur. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de produit. Donc, j'ai reçu du site Sublime. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil aux autres revues. Donc, j'ai reçu du site Sublime le fameux mascara. Donc, le dernier L'Oréal, le Fossil Superstar X Fiber. Donc, donc le dernier L'Oréal, un mascara avec des fibres. Donc j'ai hâte de le tester. En ce moment, j'utilise celui-ci parce que j'en ai vu beaucoup d'avis et soi-disant qu'il recourbait les cils et voilà. Mais ça marche pas sur moi. Voilà. Et là, je suis vraiment en rasera de cils. Clairement, il se recourbe plus du tout, du tout, du tout. Il passe par vers le bas, là je les ai recourbés hein, avec mon recourbe-cils, mais voilà quoi, ça ne tient pas, ils sont en dépression je crois. Donc on va tester ça ensemble. Donc il y a la première application, le mascara normal, et en numéro 2 vous avez les fibres. Donc vous pouvez aller jusqu'à 7 applications. Donc, mais bon, moi je pense pas, hein, parce que si ça fait des cils araignées, enfin pas d'araignées, je supporte pas ça, ou d'avoir les cils on dirait que c'est du carton, que ça fait des paquets, je supporte pas ça, donc on va tester ça, donc je l'ouvre. Hein. Hop! Mais le packaging déjà, je le trouve très très joli, et bon, ce violet bleu métallisé, juste super joli, et cet effet lacet là, c'est. Il est vraiment très très beau. Je crois qu'il est en promo bientôt. Je sais plus trop où. Je l'ai vu dans un prospectus. J'essaierai de vous le remettre en bas. Si je retrouve. Si je ne l'ai pas acheté. Mais il me semble qu'il est en promo bientôt. Je sais plus si c'est à Carrefour ou. Je sais plus trop. Mais il n'est pas trop trop cher. Donc je vais bien voir s'il fonctionne. Si je le rachèterai ou pas. Donc on va tester ça. Hein? J'ai peur. J'aimerais bien qu'il fonctionne. Donc la brosse, elle est. Je pense que vous voyez bien. Elle est comme ceci. Donc c'est pas trop silicone, silicone les poils. On va avoir l'application. Donc je vais faire juste un côté. Pour qu'on voit bien la différence. Donc là, je mets juste voilà, le mascara. Du coup, on a une bonne prise en main. Étant donné que ça fait quand même un grand support. Ouais, je suis en rasera de cils. J'en ai qui sont cassés. Pour mascara, je vais tomber aussi. Oh, déjà une petite différence, mais bon, ils sont en train de descendre. Donc voilà pour la première étape. On va prendre la deuxième brosse, donc sur le côté numéro 2. Qui est recourbé, donc ça c'est les fibres. On va voir ça. Mise au point, s'il te plaît, focus, merci. Donc on va faire ça. Ça allonge quand même pas mal. On a du volume. Je pense que l'on voit bien la différence. Ça les a recourbés un tout petit peu, je dirais quand même. Je sais pas. Hein? On voit nettement la différence là.
pour une première application. On va tenter une deuxième couche. Hein? C'est rare que je fasse des couches et couches et couches de mascara parce que je suis pas vraiment fan de ça, quoi. Et là, je crois que je vais pas aimer. La deuxième couche, ça va être la couche de trop. Ça fait pas d'araignée à mort. Voilà. Hein, on est d'accord? Mais ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop du tout, même. Donc, en une couche, ouais. Mais deux couches, je suis pas fan. On va remettre une couche de fibre. Mais bon, pour celles qui aiment bien, voilà. Pour celles que ça dérange pas d'avoir une pâte d'araignée, voilà. Mais sur moi, non, ça ne fonctionne pas. Ça les a quand même recourbés. Donc là, en deux couches. En faire 7, clairement. Non. Clairement non. Mais voilà pour ce qu'il donne. Hein. On voit quand même nettement la différence. Hein. Mais c'est clair que je mettrai qu'une couche, pas deux. Et à voir si recourbé avec leur courbe-cils. Ça fait pas d'araignée, quoi. Je vais vous faire l'autre cil avec le fatal. Donc toujours de L'Oréal. Alors, je me retrouve avec une tonne de trucs sur moi. Ça, vous allez voir la différence entre celui-ci et l'autre. Peut-être qu'il sera peut-être un petit peu mieux en vieillissant. Moi, je sais que je les préfère quand ils vieillissent, les mascaras. Vous voyez plus rien. Oui, il se recourt plus. La différence entre les deux. On voit que le superstar. On voit que celui-ci, il les allonge beaucoup plus. Forcément avec les fibres. Et là, nous avons le fatal. Le fatal et le superstar. Dites-moi en commentaire celui que vous trouvez le mieux, quel côté vous trouvez le mieux. Moi, c'est juste le problème, c'est la courbure qui me dérange, que j'ai pas. Mais sinon, ils sont quand même pas mal les deux. Hein. Mais bon, c'est rare que je laisse mes yeux sans make-up plus poussé. Hein. Mais là, ça va, c'est pas trop choquant encore. Je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais les recourber au recourbe-cils. Voir ce que ça donne. Ah, celui-ci fait quand même des. Enfin, avec les deux couches, ça fait des paquets. J'aime pas ça. Voilà, pâte d'araignée. Je suis pas très fan.
Avec le recourbé un peu plus. Je préfère. Donc voilà pour le test du mascara L'Oréal Fossil Superstar X Fiber et en même temps le test du volume Million de cils Fatal, donc toujours de chez L'Oréal. Donc là vous avez le Fiber et là le Fatal. Moi, lequel des deux je préfère? Pour l'instant, c'est quand même celui-ci. Mais bon, celui-ci, j'ai mis 2 couches et j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Je sais que les prochaines fois, je mettrai juste voilà, une couche de celui-ci et les fibres, mais vraiment pas 2. Alors que oui, on me dit que je peux y aller jusqu'à 7 fois. Non, pas pour moi. Celles qui ont vraiment, enfin, je sais pas, des cils vraiment courts. Peut-être, mais enfin, moi j'ai pas forcément les cils très très courts, mais moi c'est le problème de la courbure. Et donc voilà pour ces 2 mascaras. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés, lequel vous préférez des deux. Et voilà. Donc j'en ai un à vous faire gagner. Donc les modalités, ça va être de liker ma page Facebook, donc je vous mets le lien juste là et vous l'aurez en barre d'infos, et me mettre un petit commentaire sous la publication où je vais relayer cette vidéo. Mettez-moi un petit commentaire comme quoi vous participez pour en le gagner. Et mettez-moi votre pseudo YouTube dans le commentaire, comme ça je vois que vous êtes aussi abonné à ma chaîne. Voilà. Donc abonné à la chaîne, abonné. Likez la page Facebook. Et voilà, je donnerai le nom du gagnant et l'adresse du gagnant à Sublime qui vous enverra votre petit mascara. Je pense que je vais aller me démaquiller. Et je vais peut-être vous faire un tuto juste après. Et je sais pas trop lequel je vais utiliser du coup. Mais je vais vous faire ça juste après. Donc voilà. J'ai vraiment pas l'habitude de voir pas maquiller. Voilà, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce que je vois. Donc j'espère que je vous aurai pas trop fait peur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.